sprint final pour ce nouveau numéro des spots incontournables autour de Pau. Aujourd'hui, nous sommes à Lescar, une cité médiévale qui a encore plein de trésors à nous dévoiler. On se retrouve sur les remparts pour découvrir la ville haute. La ville de Lescar fut la première capitale du Béarn avant d'être détruite par les Normands en 841. Elle est l'héritière de la cité gallo-romaine Bénéarnum, nom qui par la suite sera raccourci pour donner Béarn. Et voilà, après avoir monté quelques dizaines de marches, on est au sommet des remparts, on est parti de la plaine donc, et là on arrive avec une vue vraiment imprenable sur la chaîne des Pyrénées. Donc derrière moi, la porte de l'Esquirette qui fermait au Moyen-Âge l'entrée ouest de la ville. Il y avait 5 portes de ce type à l'époque, il n'en reste plus qu'une et c'est celle-là. Maintenant, on va prendre juste à gauche de cette porte, on va aller vers les remparts nord de la ville qui sont juste derrière et on va suivre un petit cours d'eau. Suivez-moi! Et c'est parti pour la descente vers les remparts nord. C'est juste derrière, un petit escalier. Suivez-moi à petite foulée. Les remparts nord longent le petit cours d'eau du Lescourt sur 500 mètres avant de rejoindre le centre-ville. Cette promenade fait donc une boucle accessible à tous et ne présente aucune difficulté. Les passages ombragés sont très appréciés, surtout en période de forte chaleur. Depuis la place royale, juste à côté de la cathédrale, vous pourrez rejoindre les remparts sud par cette petite porte et ainsi retrouver le panorama face aux Pyrénées, tout en surplombant la plaine, véritable aire de jeu, avec 4 terrains de beach volley, 2 de basket, de hand, un skatepark, un fronton, une piste de 100 mètres qui se termine par un bac de sable pour le saut en longueur, et enfin des toboggans pour les enfants un peu plus loin. Bref, pas de quoi s'ennuyer.